Sudha? Yes. Good afternoon, everybody. Welcome to the pre-match official press conference of Morocco team for the FIFA World Cup Qatar 2022, round of 16, match number 55, Morocco-Spain, due to take place tomorrow, 6 December, in the Education City Stadium at 6 p.m. Let me welcome on board the head coach, Mr. Walid Ragragi, and the goalkeeper, number 12, Mr. Munir Al-Kajoui. Before we get started, please some reminders, as always. If you have to ask questions, please raise your hands, wait for a microphone, introduce yourself, your name and organization. Translation is available on the screen for the FIFA application interpreting. Please switch off your mobile phone or put them on silent mode. Please make sure that your mobile hotspot has been disabled. One question per journalist. For photographer, please, you are allowed in the 5 minutes, and afterwards, I ask you kindly to leave the room. Before we get started and going the floor to the journalist, let me ask the first question for both coach and the player. How do you see the next match, tomorrow match with Spain? En français. Merci. Assalamu alaikum. Bonjour. Bah, c'est ça va être un match, je pense, très difficile pour nous. On va tomber contre une des meilleures équipes du monde sur le plan footballistique, avec beaucoup d'ambition. Je pense que c'est un des favoris pour la victoire finale. Maintenant, voilà, on a des choses à faire valoir. On est bien préparé, on a eu une journée de plus de récupération pour essayer justement de créer la surprise. Parce qu'en étant honnête, si on arrive à éliminer l'Espagne, eh ben, ce sera une belle surprise pour nous et pour notre pays. Player, please. Salam alaikum, buenas a todos. Bueno, como bien ha dicho el entrenador, creo que España es una de las claras favoritas, ¿no? Para este mundial, y bueno, sabemos que tenemos que dar el 200% para ganar este partido. Para nosotros es una final, así que bueno, vamos a intentar competir y dar el máximo nivel nuestro para poder ganar. Thank you. We start with question, please. Ahmed Talal, le CTV. Coach Walid, par rapport à l'état de santé de Monsieur Azdine Ounahi, on voudrait savoir est-ce qu'il est blessé ou il va être apte pour ce match. Merci. Moi, on a beaucoup d'incertitudes. Comme tous les matchs qu'on a fait depuis le début, on prend la décision à chaque fois le jour du match. Donc pour moi, Azdine, il se prépare pour essayer de jouer. Et s'il ne peut pas, il y aura quelqu'un d'autre qui le remplacera. Mais comme je dis aux joueurs, peu importe qui rentre, il faut qu'il soit à 100%. Donc voilà, si Azdine est à 100%, Inch'Allah, on sera content. Sinon, ce sera quelqu'un d'autre qui prendra sa place. Bonjour Walid. Bonjour Monir. Je suis là, Walid. Je suis là. Walid, bon courage pour demain. On connaît très bien l'école espagnole. Est-ce que c'est un point fort pour les Lions? Merci. Oui, ouais, en plus, on a des joueurs qui jouent en Espagne. C'est un pays qui est cher aux Marocains aussi. On aime le football espagnol. Donc voilà, on le connaît très bien. Maintenant, il y a beaucoup d'équipes qui connaissent l'équipe espagnole. C'est toujours le même style de jeu. Et ça n'empêche pas qu'il pose des problèmes à tout le monde. Donc voilà, on s'attend à vivre un match difficile, mais comme contre la Croatie, comme contre la Belgique, comme contre le Canada. De toute façon, comme je l'ai dit aux joueurs, dès qu'on est rentré dans cette compétition, on va jouer que des finales. Ce sera la quatrième finale pour nous et on va faire en sorte de la gagner comme on a fait avant, avec nos valeurs, nos principes et nos qualités aussi. Bonjour Walid, Radio France Internationale. Je sais que vous n'avez pas parlé des individualités, mais j'aurais un mot sur Saïs, qui avait été sélectionné en 2012 et qui avait dû attendre 2016 pour revenir en sélection, qui est capitaine. Et voilà, un petit mot sur lui, merci. Romain, c'est notre capitaine. C'est quelqu'un
de très important dans le groupe, même dans la vie du groupe. Il a bien compris son rôle de leader, qui était très important. En 2012, il est venu, j'étais adjoint, et avec le staff, on avait décidé de le faire venir, il était à Clermont-Ferrand. Donc c'est une belle histoire qu'aujourd'hui il soit parmi nous et que je sois avec lui pour vivre cette aventure. Mais voilà, c'est un joueur qui a été souvent sous-coté, et c'est bien qu'à la Coupe du Monde, il puisse montrer ses qualités, et on est heureux pour lui. Mourad Moutawakil, sur le flanc droit. Salut Walid, salut Mounir. Je voulais juste savoir, donc, lors du dernier match, on menait 2-0, il y a eu un moment de relâchement. Et tu en as parlé. Est-ce que vous avez travaillé sur ça pendant les séances qui précèdent, bien sûr, cette rencontre face à l'Espagne? Bon, on n'a pas trop de temps pour tout travailler. Déjà, on s'est concentré sur l'Espagne. Après, comme j'ai dit aux joueurs, chaque match a son histoire. Le match du Canada, c'était un match particulier. On voulait la première place, on voulait déjà se qualifier, mais quand on a vu qu'on pouvait avoir la première place, ça nous a peut-être mis un peu plus de pression. Mais non, sur le plan mental, de toute façon, on sait très bien que c'est des matchs de très haut niveau, qu'il faut rester concentré. Mais comme je l'ai dit, moi j'ai adoré la deuxième mi-temps du Canada. C'est celle qui permet de mieux jauger le groupe. C'est quand on est en difficulté, qu'il faut courir, qu'on est acculé, qu'on voit vraiment si on a une équipe. Et c'est ce qu'on a pu montrer en deuxième mi-temps. Maintenant, est-ce qu'on est capable de réaliser la même performance mentale et athlétique sur 90 minutes, parce que je pense que c'est ce qui va nous attendre face aux Espagnols? Bon, on espère que oui. En tout cas, nous, on travaille pour ça et on est prêt à, justement, à faire le même genre de performance. Abdelilah Mouhib, le site Info. Bonjour Mounir, bonjour Walid. Hier, j'ai un tweet de Luis Enrique qui dit que c'est un choix, اي واحد كيصغر من ليكيب ديالو تيربي منير سبيكتاتور لحد الساعه الناس واحله في تيكيت المارشي نوار واصل المليون ديال السنتيم باش يجيبوا هاد التيكيته باش يتفرجوا في منير ويشوفوا واليد كيكوتشي وكيقول سيره منير تماركي ولا طلع ياسين. مهم شنو عندكم واحد الضغط باش تعطي واحد جيفت واحد الجيفت لهاد البيبليك واحد الهديه انه تربحوا الاسبان؟ شكرا. bueno sí la verdad que yo creo que bueno, al final el poder hacer feliz a tanta gente, para nosotros yo creo que es súper importante, ¿no? Yo creo que en la vida no hay nada mejor que poder devolverle todo el cariño que nos han dado, todo el apoyo que nos dan siempre. Y bueno, yo creo que este es el momento perfecto, el partido perfecto para poder hacerlo y que se sientan orgullosos de nosotros y nosotros de ellos, de cómo siempre nos ayudan, nos apoyan y bueno, esperemos regalarle esta victoria a todos ellos, a toda la gente que ha hecho un esfuerzo grande por animarnos aquí en Qatar y desde Marruecos, el cariño que nos llega desde Marruecos y desde todo el mundo, de todos los marroquíes. Y bueno, vamos a intentar dar el máximo, nos vamos a matar en el campo, vamos a dejarlo todo para conseguirlo, para seguir haciendo historia con este grupo que se lo merece. Please, photographer. Not leave the room, please. على لويس انريكي اللي دار بالنسبه لي ما كانش شي حاجه اللي حتى حنا مور الماتش خلينا الدراري حتى هما يخرجوا شويه سي ان كومبيتيسيون اللي طويله وخصك الدراري مره يخرجوا دونك ما عندنا حتى شي مشكل يخليهم يخرجوا حتى حنا خليناهم يخرجوا دونك فوالا سي الفوتبول اللي كيامني. Je pense qu'ils ont un grand entraîneur. Il y a Jimny, la personnalité Diallo, qui a Jimny qui a aidé de la pression ou qui a aidé le Kora. C'est très important. C'est un métier qui est difficile. Ou qui a aidé Luis Enrique ou qui a aidé Twitch. Ou là. Il faut désacraliser un peu ce qu'est le football. C'est que du football. Je serai tracteur. Et moi, je suis très heureux de jouer contre un entraîneur de la trempe de Luis Enrique. Walid, Soufiane Rachidi, le canat Riyadia. Oui, Soufiane. Ah, Flémin. Comme je suis tout le million. Le Jadi Al-Hakimi. Exactement. Walid, Awalan, Kintim Dolkoum, Tofik, Liek, le Majmoua Kakoul. Andy Souel, qui ressemble à la récupération de trois matchs de très haut niveau. Soit le match de la Croatie, soit Belgique, soit le match de la Canada.
اكزامبل ديال يوسف نصيري لي فور ليدر لو نومبر ديال سبرينت ليدر في الماتش ديال كندا كانت شي حاجه انورم يعني كيفاش كانت لا ريكوبيراسيون واش الدراري كاملين اون فورم سور لو بلون فيزيك سورتو على انه هذا الماتش كونتر الاسبان غيكون اوتر شوز ثاني حاجه كنتفكر على انه اخر عام ديال لويس انريكي مع اف سي برشلونه كان في 2004 انت 2004 جيتي لراسينغ سانتاندر واش غتكون ان شاء الله نهايه العهده ديال لويس انريكي وبدايه عهده جديده لك ان شاء الله باذن الله كمدرب لكوب دي موند سؤال اخر لمنير محمدي منير لا دوزيام كيسيون منير محمدي ربما ممكن لانك تدخل تاريخ في هذه المشاركه في كاس العالم شاركتي في المونديال ديال روسيا مشاركه اخرى في هذا المونديال ان شاء الله باذن الله سواء لعبتي ولا ما لعبتيش باش تدخل المصاف الحراس كبار كبادو زكي حراس يلعبوا في لاكوب دي موند بالتوفيق لكم شكرا لا para mí es un orgullo no jugar el poder haber estado aquí en el segundo mundial con mi país y bueno estoy muy feliz por ello y bueno a seguir ahora haciendo historia y vamos a intentar seguir haciendo historia y conseguir cosas más grandes. Yo creo que lo importante ahora es que el grupo consiga la victoria y poder hacer feliz, como he dicho antes, a todos los marroquíes y que se sientan orgullosos de nosotros. Para nosotros ahora mismo este partido es una final y vamos a intentar conseguir los tres puntos y seguir pasar la eliminatoria y seguir haciendo historia, inshallah. جاوبك نو على الكوتي فيزيك اي فرقه دابا ملي كتبغي تمشي بعيد في لا كومبيتيسيون خصك تكون موجود عندنا ان جروب ودري لي ريكوبيراسيون فحال ديما اللي درنا جو بونس غير تلعب ماشي غير في لو كوتي فيزيك غير تلعب في لو كوتي مونتال فالفلوغ كون سوا فور مونتالمون بور بووار ريبيتي لي زيفور ودري موجودين على هادشي فحال اللي قال منير سين فينال لينا حنا اوني بريباري باش نفرحوا الشعب ديالنا ونحتاو لو ماكسيموم واللي غيعيا بحال اللي درنا في لي ديرني شانجمون غيخرج غيخلي البلاصتو لواحد اللي يقدر يموت معنا هادشي اللي كيامنا دونك لا ريكوبيراسيون كنديروها انا ان فري ستاف ميديكال تا هو اليوم خصني نقولها عاونونا بزاف عاونوا الدراري مي فوالا كون اي نيكيب كوم لو ماروك اون سو دو دافوار لي مويان دو لا ريكوبيراسيون والجامعه ولا ستاف ميديكال اون ا دو تري تري او نيفو اي شو با انكيف سكوتي لا اي اون بلوس اون ا دو بريباراتور فيزيك اسبانيول Donc voilà, Thomas ou Nonaf le côté côté athlétique. Bonjour coach, bonjour Mounir. Sarahia le موقع le matin sport. Coach Walid, كنعرفوا باننا فايتنا تواجهنا مع المنتخب الاسباني سنه 2018 في كاس العالم ديال روسيا وكما كنعرفوا لولا الفار ولولا التحكيم كنا نخرجوا فايزين في هذيك المقابله. اليوم الحكم فيرناندو الحكم الارجنتيني هو اللي غادي يحكم المقابله هو نفس الحكم اللي كان حكم المباراه الاولى امام المنتخب الكرواتي وحكم اللي كان تغاضى بزاف على اعطاء البطائق الصفراء كما شفنا. واش نتوما ما عندكمش تخوف من هذه النقطه هذه ديال التحكيم؟ ميرسي. نو نو ولي ترا في 2018 ولي ترا قبل ما كيهمناش حنا ني كونسونطري سور نوت ماتش حنا مكونسونطري شنو غنديرو لاربيتراج كاينه في كره كاين دي زيرور بور دي زيرور كونتر لاربيت لي كان معنا ضد كرواتيا بان لي دار ان تري بون ماتش و لي زاربيت بحال لي زيكيب لي كاين في كوب دو موند هما لو توب مونديال دونك ما كيامناش هادشي حنا اللي كيامنا هي غنحتو في التيران لي ديتاي ديالنا وان شاء الله Le reste, c'est pas important. Coach, tout derrière, ici. Derrière. Loin. Yallah. Bonjour Walid. Bonjour. Walid, j'ai deux petites questions. La première... S'il vous plaît, une question, s'il vous plaît. Non, toute petite, je veux dire. Vous avez joué l'Espagne en 2018. Est-ce que les joueurs, entre eux, parlent de revanche? Et ma deuxième question, lors de ton arrivée ici au Qatar, je t'avais rencontré lors de la première semaine. C'était ta première expérience en dehors du Maroc. Tu m'avais dit, mes ambitions n'ont pas de limite. Qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer un mondial ici au Qatar? Merci. Alors la première question... Revanche. On n'a pas de revanche. Nous, on est là en compétition. On ne regarde pas ce qui s'est passé. C'est ce que j'ai dit et c'est ce que je dis aux joueurs. On a une nouvelle génération. Je veux leur inculquer une nouvelle mentalité. Tout ce qui a été négatif avant, c'est l'ancien Maroc. Aujourd'hui, on a avancé, notre pays il avance au niveau compétitif. On veut être compétitif. Donc voilà, c'est pas la même équipe du Maroc de 2018, c'est pas la même équipe d'Espagne de 2018.
Ça va être un match entre deux belles équipes de très haut niveau. On espère le gagner. Et voilà, après, la revanche, ça sert à rien. Quand on rentre dans ce genre de mode de revanche, en général, ça ne fonctionne pas très bien. Ensuite, je t'avais dit que mes ambitions, elles n'avaient pas de limite. J'ai osé dire ça. En vrai ou en off? Bonjour. En tout cas, mes ambitions, elles n'ont pas de limite, c'est vrai. Bonjour Walid. Il y a une partie stupide de la presse espagnole qui est en train de dénigrer, de sous-estimer les joueurs marocains. Mon souci est par rapport aux joueurs qui sont nés en Espagne et qui ont joué en Espagne. Est-ce que pour toi, il n'y aura pas d'influence sur leur état d'esprit? Non. Non, on ne fait pas attention à ce qu'il y a. On est dans une bulle. C'est de bonne guerre, comme je dis. Les Espagnols, la presse espagnole joue leur rôle. Vous, la presse marocaine, vous jouez votre rôle aussi. Le plus important, c'est un match de football. Les joueurs, ils savent ce qu'ils ont à faire. Il y a des joueurs qui vont défendre leur pays de chaque côté et qui vont vouloir gagner. Et ça reste qu'un match de football. Après, rentrer dans ce que dit un journal ou pas, on est marocain. Jusqu'à preuve du contraire, notre passeport, il est vert. Il n'y a personne qui peut nous le retirer. On va jouer contre une des meilleures équipes du monde qui propose un des meilleurs footballs. Et ça va être une fête au stade. Et voilà, après, tout ce qui est en dehors, c'est de bonne guerre. Moi, nous, ça ne nous touche pas. On est vraiment... De ce côté-là, on ne va pas rentrer dans ces détails. Ça ne va même pas être un degré de motivation pour moi des joueurs. Les joueurs, ils n'ont vraiment pas besoin de ça en ce moment. Dika, urilo, ah, bachi, nodona, reinodo, reitkatlo, bahdom, blamat, urilo, machi. Alaikum Walid. Salam Mounir, je suis là au milieu. Oui, oui. Abdouari Sahansar, de NBTV. Il y a une déclaration Omar Da Fonseca où il dit que les Marocains, ils doivent, ils peuvent, et peut-être ils vont le faire contre l'Espagne. Et l'Espagne, en ce moment, c'est tiède. Finalement, le commentaire de la déclaration de Omar Da Fonseca. Non, Omar, c'est gentil. Déjà, ça veut dire que la mentalité, elle a changé. C'est que les gens pensent qu'on peut le faire. Donc, c'est bien. Après, moi, je suis là pour garder les pieds sur terre. C'est un match, on veut le gagner, c'est sûr. On va tout faire pour le gagner, mais on respecte l'Espagne, comme j'espère qu'ils vont... Je pense, même pas j'espère, c'est je pense qu'ils nous respectent aussi. C'est un huitième de finale. Les huitièmes de finale, c'est équilibré, ça joue sur les détails. On a vu tous les matchs. Maintenant, ils ont l'ADN de ces grandes compétitions que nous, on n'a pas. Nous, ça fait 36 ans qu'on n'a pas joué un huitième de finale. C'est là que moi et mon staff, il va falloir qu'on soit fort pour surpasser le côté émotionnel et la gestion de ce genre de match, pour qu'on puisse créer l'exploit. Après, pour le moment, il n'y a pas eu de surprise. Donc, ça veut dire que voilà, les grandes nations, elles sont là à ce moment-là. À nous de montrer qu'on va créer la surprise. Mais merci à Omar d'être derrière nous. Hello, Benjamin Sumir from Germany, to your right. Hello. Okay. From T Online, I would like to know the majority of the fans tomorrow will be behind you, and you have, like, from the Muslim countries, the fans behind you. I've talked to fans, players from Tunisia, Kuwait, and so on. What does it give you as a feeling for the game against Spain tomorrow? Well, for me, it's amazing feeling. You know, when you have your fans from Morocco, everybody wants to come in Doha. He want to take a ticket. Maybe you can make two stadiums. And you is full with the fan Moroccan and Arabic people, African people also, because now you are the last African team in this competition. I hope my team realize a good game, inshallah, for to pass in the quarterfinal and to make history for my country on this fan, to make him a proud of my team, inshallah. Bonjour Walid. Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. Il y a eu Maroc-Guinée en 76, la finale de 2004 contre la Tunisie que tu as joué, le Maroc-RFA de 86, dans une perspective historique. Est-ce que le match de demain, c'est le plus important de l'histoire du football marocain? Bah, j'espère que dans le futur, il y en aura des plus importants. Ça voudrait dire qu'on sera passé. Mais aujourd'hui, je l'ai dit aux joueurs, 86, ils ne peuvent plus rejouer leur match de l'Allemagne. Ça, c'est certain. Donc, ils ne peuvent plus aller en quart de finale. Nous, par contre, on a 24 heures encore pour préparer ce match et pour rentrer dans l'histoire et pour être les seuls à l'avoir fait au Maroc. Donc, ça vaut le coup de donner le maximum et de ne pas avoir de regrets parce que ça peut peut-être plus tard nous laisser beaucoup de regrets. Donc, sur ce côté-là, sur ce côté mental, je pense que tu as raison. Mais il faut le dédramatiser aussi pour ne pas qu'il surjoue ce match.
Donc on essaye de trouver l'équilibre avec le staff pour qu'ils sentent que c'est un match pour l'histoire, mais en même temps qu'il n'y ait pas trop de pression pour pas qu'ils loupent ce rendez-vous. بحكي كوتش اسلام المد من موقع العربي الجديد اول حاجه بالتوفيق ان شاء الله عليكم باعتبار انكم بقيتوا فقط ممثلين الواحدين العرب بالسؤال يقول التصريح اللي عملته انه المغرب قادر على الفوز بكاس العالم عمل ضجه شويه ما تشوفش تصريح كما هكا يحط بريسيون على اللاعبين خاصه مثلا نفكرك بجمال بالماضي تصريحه اللي نفسه تقريبا خلى منتخب الجزائري بعد ما كان في مستوى معين يفشل في كأس إفريقيا وهذا ما نتمنوهش ما نتمنوهش ليكم بطبيعة وحتى في يفشل في وصول المونديال شكرا لا خصهم غير يفهموا شنو قلت انا ما قلتش غنديو الكوب دو موند ولا واخا بغينا نديوها بحال اللي بغيت نقول الكره تقدر ترى اي حاجه وديما كنقولوها حتى لاولادنا خصك تحلم باش توصل ولا قلتي واحد الولد بناي ما يقدرش يكون شي حاجه في حياته عمره ما يقدر يديرها وحنا دابا حنا لافريك عمرنا ما دينا كوب دي موند علاش ما نحلموش بها وعلاش ما نقدروش نديروها هادي سان ميساج دو بوزيتيف بور لافنير وهادشي اللي كنقول الدراري حتى حنا ولا تخونا غنقولوا عمره ما نقدروا نديو الكوب دي موند غنخسروا غدا لا بالعكس علاش ما نديوهاش وعلاش نتوما الصحافه عربي وافريقي ما تقولوش يقدروا يديوها باش تحتو هاد لي زون بوزيتيف ولا تقولوا اش كيقول هذا بالمادي هدار ورقراقي كهدار حشومة واحد بلاد ديال لافريك عمرو ما يقدروا يربحوها لا علاش عندك واحد الولد دي مدينة صغيرة هو اليوم هو جالس معاك وكيلعب 8 فينال كوب دي موند ولا كنت انا كنفكر هيدا ملي كنت صغير ما نكونش هنا اليوم دونك انا كنقول لك علاش لا ما ندوش كوب دي موند ان شاء الله وغدا نتقاتلوا باش ندوزوا الدور ثاني يمكن ما غاديش نديوها هاك حلمنا بها وغنتقاتلوا بها باش ان شاء الله يمكن 20 سنه ولا 30 سنه يمكن المغرب ديها ولا السنغال ولا شي فرقه وغايقولوا كان المغرب كان يقولوا يقدروا يديروها انا اذا فكرت يمكن راني غلط سي دوندي سي ادريان رودريغيز زوبر de la agencia EFE prensa española ante todo felicidades y total admiración a la selección de Marruecos la pregunta es para los dos quería saber ¿Qué es lo que más les gusta o lo que más temen, si hay algo que temen, del equipo de Luis Enrique? ¿Y qué opinan también del seleccionador español? ¿Empiezo? Bueno, que yo, a mí lo que me gusta es la cultura de fútbol de este país, ¿sabes? Que vuestro equipo hace 15 años o 20 años que juega de la misma manera, con una posesión muy alta, tiki-taka, siempre con jugadores de talento al medio centro. Y no cambia de su actitud en el partido. Quiere la pelota y no la deja al otro. Y eso es bien porque cuando veas un equipo como España, siempre que si cambia la camiseta, sabes que es España que jugó. Entonces eso me gusta mucho. Pero al final, todos los países tienen su cultura, su modelo de juego. Y nosotros también tenemos alguna aptitud para quizás meter problemas o algunos problemas de este equipo. Después de débiles que veo, yo no veo débiles en este equipo, veo solo calidad. Bueno, un poco en la línea que ha dicho el entrenador, yo creo que España sobre todo veo que sale a los partidos y sale a ganar el partido, a ser protagonista y bueno, en ese sentido sí que tiene mucha paciencia y bueno, sabemos que para nosotros va a ser muy complicado, que nos van a hacer correr mucho, pero lo tenemos asumido y sabemos que va a ser así. Así que bueno, vamos a intentar nosotros también con nuestras armas poder competirles y sobre todo ganar. Mohamed Belaoudi, de موقع Sport 1. بداية وليد مبروك على الإنجاز الحقيقي لكرة القدم الوطنية والوليد الركراكي كاسم كإطار وطني مغربي نتمنى التوفيق إن شاء الله ولا قلتي باغي تمشي لنهائي كأس العالم نقولوا حنا معك السؤال ديالي هو في مثل هذه المباريات الكبيرة مع منتخبات اللي هي كبيرة شنو كيفضل المدرب واش يركز على النقاط ديالو هو على الفريق ديالو شنو عنده ولا كيركز على النقاط القوة ديال الفريق ديال الخصم سؤالي للمنير يعني شاركتي في المباراة الثانية كانت مشاركة مفاجئة لآخر لحظة كيف شفنا كيفاش عشتي اللحظة وانت غيجي عندك والد وغيقول لك انت اللي غتحبس بلاصة بونو في آخر لحظة وانت في البونتوش
بحال شنو نقولوا المدرب شنو عنده الفرقه هذه تاع اللعبه لا تدخل تيران كيعطي 100% انا من ولي جي عندي قال لي سير سير اخويا تلعب وما عندي الوقت ندير شوفومونت ولا حتى حاجه ولكن انا بريباري قبل على الماتش واخا انا كن في البانش زعما في الراس ديالي كان فكر زعما بحال نلعبوا تيتولا والنيه ديالي ماشي ديالي ديال الفرقه كامله مزيان ومن بعد كباينه في التيران احنا غنبقاو ديما على شنو كنديروا ما كنشوفوش فراقي بيان سور كنخدموا عليهم كنعرفوا لي فورس لي فيبلس بحال اللي قلت الدراري ولا خصنا نتادابطا ونبدلوا شي حاجه اللي ماشي ديالنا غنديروا غلط دونك كنبقاو في شنو كنعرفوا نديروا ديك 3 شهور اللي جيت مع لا مونتاليتي ديالنا ومن بعد اي ماتش كنبغيو نزيدوا القدام ونزيدوا شي حاجه اللي تقدر تعاوننا دونك فوالا غنبقاو في هذا المستوى ان شاء الله. سؤال للمدرب احمد الامام التلفزيون الموريتاني. بعد خروج السنغال بالامس باتت المغرب الممثل الوحيد لافريقيا والعرب في المونديال، هل يشكل هذا حافزا لكم غدا في مواجهه اسبانيا؟ ما فهمتش. بالعكس معنا ما نخسروا وغندخلوا بحال اللي قلت بلاتيتود ديال بغينا نربحوا بغينا نطلعوا الرايه بعدا ديال المغرب ما نساوش حنا لاعبين دابا على بلادنا الشعب ديالنا ومن بعد بيان سور غيفرحوا معنا ويعاونونا بلاد عرب وبلاد افريقيا علاش كاملين غيكونوا معنا نتمنوا ديك الدعاء ديالهم يعاونونا كاملين باش يحطونا ديك البوطو اللي غتخرج وغتدخل نزيدوا قبل كانوا غير المغاربه دابا زيد لي افريكان وزيد بلاد العرب يدعوا معنا ان شاء الله. Last two questions, please one and this one. Bonjour, Renan Chiotal, Bein Sport France. Une question pour vous, Walid. On a le ressenti très rafraîchissant et très novateur dans le management avec vous que vous êtes le sélectionneur plus le grand frère. C'est le point de départ de ma question. Demain, quand vos joueurs vont rentrer de l'échauffement, vous allez refermer la porte du vestiaire. Qu'est-ce que vous allez leur dire ? Je vais leur dire de profiter, qu'il va y avoir des millions de personnes qui vont les regarder jouer. Il y a tout un peuple qui est derrière eux. Il y a une ferveur au Maroc qui est extraordinaire. Et que rien que pour ça, on ne doit pas avoir de regrets. Et on va jouer notre football et on va donner le maximum. Mais que c'est des moments dans le football qu'il faut... Et en fait, mon travail, c'est d'équilibrer les émotions, justement, dans ce genre de match. Alors, il ne faut pas en faire trop. Il ne faut pas minimiser aussi qu'ils peuvent rentrer dans l'histoire, qu'ils peuvent faire quelque chose de grand. Mais surtout, leur donner de la confiance. C'est ce que j'essaye de leur donner. Il ne faut pas qu'on ait de complexe à avoir. On connaît le haut niveau. On a des joueurs, nous, dans notre équipe, qui jouent au très haut niveau. Donc, ils connaissent ce genre de joueurs. Maintenant, voilà, la recette, elle est facile. Pas de complexe, pas de regrets et donner le maximum. Et après, on connaît le football. Des fois, il y a un pénalty au bout de 2 minutes, il y a un carton rouge, il y a quoi que ce soit, il faut s'adapter. C'est mon boulot. Mais en tout cas, on va jouer sans regrets et sans complexe. Par rapport au discours que je dis depuis tout à l'heure, bien sûr que l'Espagne est favori, on les respecte, mais on a confiance en nous. Last question, please. Bonjour, je m'appelle Fernando Valleca de Barros, je travaille comme freelancer pour le journal Estado de São Paulo. Pour vous et pour Munir, j'ai deux questions, deux petites questions. Je vais faire un. L'Espagne, c'est une équipe très technique, très difficile à battre techniquement. Quels sont les atouts de Maroc pour le battre demain? Et deuxième chose, comment vous avez changé Maroc d'un statut de coadjuvant pour être en sélection, pourquoi pas, favori à aller très loin dans cette Coupe du Monde. Merci. Écoutez, l'Espagne, c'est une des meilleures équipes du monde parce qu'ils savent, ce qu'ils proposent et ils sont patients dans ce qu'ils proposent. C'est-à-dire qu'ils ont une possession qui fait mal à l'adversaire, mais qui fait mal aussi même au public. Rodri, Laporte, Laporte, Alba, Alba, Laporte, Rodri, Busquets, Busquets, Rodri, tac, 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 tac. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, les joueurs ils commencent à fatiguer. Si on est fort dans notre tête et qu'on accepte, ils vont avoir le ballon, cette possession. Je crois que sur les 20 derniers matchs, on a regardé, ils ont 70% de moyenne de possession de balle. Ils ont joué la France, ils ont joué l'Allemagne, ils ont joué plus grande nation, ils ont 70. Donc la possession, ils vont l'avoir.
qu'on le veuille ou pas. Et nous, il faut qu'on l'accepte. Donc, nous, on a des armes. On ne va pas tout vous dire aujourd'hui, mais on est confiant. On a laissé le ballon à la Croatie, à la Belgique, un peu moins au Canada. Mais voilà, c'est un football qui, aujourd'hui, quand on regarde la Coupe du Monde, le Japon, 17% de possession, il gagne. 20% contre l'Allemagne, il gagne. L'Arabie Saoudite contre l'Argentine, 20% de possession, il gagne. À un moment donné, il va falloir qu'on regarde avec la FIFA s'il y a des points qui sont donnés par rapport à la possession, parce que le public aussi, il va falloir qu'on évolue. À chaque fois, à la fin du match, on dit possession, ils ont 70, comme s'ils avaient gagné le match ou quoi. Le football, il est moderne. Il y a des gens qui veulent le ballon, il y en a qui ne le veulent pas, il y en a qui savent quoi en faire, il y en a qui ne savent pas quoi en faire. On espère que demain, l'Espagne ne saura pas quoi faire du ballon. C'est un peu notre plan. Thank you. Le plan. Thank you. Official training will be held after... Est-ce que j'ai apporté Mounir. No, moi ou Mounir? Mounir, il a changé beaucoup de choses. Le deuxième match, il est rentré, il n'a pas pris de but. Non, on a changé. Je ne sais pas si on a changé quelque chose. L'essentiel, c'est qu'on a confiance en nous. On vit comme une famille. On a réussi à fédérer parce que le peuple marocain a besoin à chaque fois de se reconnaître dans l'équipe nationale parce que souvent, on est divisé. Chacun a son avis. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on a changé, c'est qu'on a rassemblé un peu les Marocains autour de cette équipe. Et ça, je pense que...